du man ak yow parce que man dama don wut deuk bi jurom ñaari wër ci ginaaw askan mi nama du yow yow la askanu senegal tan kon nak cholli bi yeb du man ak yow te ala kulli al man ak yow dinañ dajé na yakamti wu mala cholli bi yeb yow la askanu senegal jurom ñaari wër ci ginaaw dang len fena bañu am yakar ci yow ndaysan wante tay lutax ñuy sante yalla mag ak ndaw goor ak jigen kou la bëgg ak kou la bañ ñep nangul nañ la dara senegal kuy fen yal yaay sen bay fen nga ba feral sa bop fen nga lu nga xamne du sa at du sa generation motax na nga xol lu ngay lijeenti sa conflit ak askanu senegal parce que si tu penses une minute que 83 sénégalais dina ñak sen bakken muy nul ngay continuer di len di wo ci gatsa rek saka da ngay foyé sa xel tay nak dama don tok di la xaar ma xol est-ce que wax deug yalla est-ce que am nga sang sañu def lu nga waxon wante tu as confirmé encore ko do nitu kaddu wante nak lu may ñaawlu moy ngay jël ay doomu jambour ngay jël des enfants innocents ngay jël ay xalé yu xamul sax aduna nga len di yebal fi motax ma ngi ñaan xalé yi surtout askanu baba xalé yi suñu dugaté fi deug na nak tay da ngeen ci fay wante nak suñu ñëwaaté suba na ngeen may ndox ak glace parce que ñom soxlu wuñu len kuñu soxla moy kuñu yeb ñun askanu dakar ba taxaw ne day tal dakar koku lañu bëgg xam fan lay jaar ba tal dakar so xalaté que ken ci ñun fi nous allons t'aider à avoir encore du sang deret tu es assoiffé de sang ya xam fo jëm ak sa ay sarax wante do ko fi amé yow nak dañ la fal am ci yow yaakar nga fokk ni que man nga nek ak sa ay xar fu fu continuer di da ngay nax nit ñi bala may dé da ngay dañ la bindal ordonnance valda ak man am mew wallahi yalla na yalla tap xol yeb yalla na xol yeb feex fofu la dekk bi tollu mbokk yi ku jëf jël ku ñak jëriñu wallahi nak ku mer boko kon nak gañi bu fi ken mer ñu mer mom xam nañ lu tax ñu mer wante inshallah le 17 novembre bi yagatul dinañ xam ne lu yalla santane moy dem julli ji te bayyi togn mbokk yi waxna ko ci campagne bi nena jurom ñaari wër ci ginaaw askanu senegal dañu amone yaakar ken naxulen dañu amone yaakar bu fort ñu def luñu def ñepp tek ci sen beut ñun nak ñu ay julit moy kuy julli et nous prions le même dieu kep kuy julli rek julit nga ñu nangu nak lu yalla dogal wante nak dafa am ñu bokkon ci 54% nak lu yalla dogal ñom anduñu ci batay lolu moy deug ma bëgg nak ngeen deug mak xel man ñu may jema xex dañuy perte sen temps dama né ñom ñoma fekk ci ci politique ils sont rentrés dans mon monde par effraction ma len dark politique fouf dama sa morama nena len dina len dor te suma loxo du len lal motax bamay tok di campagne ñu ne ma bax waxal ci programme manalen campagne gi dinañ ko gagner inshallah wante amna lu ma nara lijeenti d'abord te danaka lolu amana amna ci ndam ba pare motax mané ku jëf jël ku ñak jëriñu ku mer boko kon nak dafa am ñu mer ñoñu dal nañ leen ñaanal yalla may leen xolu muñ ñun dal gañi
Comme le ministre de l'Intérieur a dit que nous avons donné notre itinéraire. Dakar a un itinéraire. Dakar, c'est une zone géographique. À lui de prendre ses responsabilités parce que nous avons une caravane. Et je vais vous dire que c'est un ragal de Koufi. Ragal de Koufi. Je vais vous dire que vous avez des enfants qui sont venus ici, qui sont venus à l'aéroport, qui sont venus à gasoil, qui sont venus à l'aéroport. Tout tank yi xalé yi ñuy fi yoni ñoñu ñoruñu ma dafa am ben way néna mom dé commencé caravanam suma buntu kër tay dama tok diko xaar ba tay gisuma ko mais nak malheureusement bu mu duggé ci politique ba tay ginaaw turam ak santam lepp lu mu len di wax deppul ak deug ay fenn. Tay dama noron caravane yewuna tay tokna ba waxtu bi gisumako dama ne xalé yi fi ñew tout tank yi ma ngi massewu nak askanu baobab fi la juddo fi la yaro année prochaine su ci yalla ande inshallah j'aurai 50 ans duma xalel musuma gis baobab askanu baobab ndaw ñi gëna di xex musuma gis tay la ñeuk gis xalé yi di gëna di xex ma ngi len di jajeufé ma ngi len di bëggé wante mbokk yi dama né xalé yu fi ñëw tout tank yi suñ fi ñëwaaté na ngi len may ndox ak glace ñu fexal seen xol yi ku fi taxawon né day campagne fi départ fi 15h mom lay xaar ba tay à l'honorable député maire Barthélémy Dias. Permettez-moi de le remercier parce que alors dama bëgg juste comme yeen nekul len fa won ma ñew ci ni mbir yi démé. Pourquoi je le remercie? Parce que biñu ñu tendré le guet-apens, biñu ñu tendré piège demb à 1h30 du matin ci allu kañ biñu séné matériel bi nekkon ci suñu kanam ak wa bip mat nañu au moins 250 agents. Car yi ñew mat nañu au moins une vingtaine de cars de transport de troupes djugé Thiès. Et pourtant tranquillement nañu djugé Thiès waron dem Sébikotane parce que ñu ngi ñu don xaar, il était 1h30 du matin. Alors lolu da fay tekki rek à 1h30 du matin les populations de Sébikotane ñu ngi togon di ñu xaar ñom ak wa jam ñaan. Motax yeen ñi fi tew am ngeen ndam ba paré coalition sam sa kaddu gagné na élection yi ba paré Ousmane Sonko ak ñi mu andal xam nañ né perte nañ légui nak li leen déssé moy roubé li leen déssé moy salter suñu victoire li leen déssé moy yëkëti wax ju bon tek ko suñu dér. Gis nga li xew Saint-Louis cierno bokum fateli nako legi Saint-Louis demb dañu fa dem 14h lañu fa yexi pour ñew pour def caravane xam nga ko xam doomu ndar xam bëgg xam len ci aise xam len ci bëgg lu dal xam len ci bëgg lu bax ñu ñew pour def suñu caravane yalla xam na ne yalla rek moma tax di wax billahi wallahi taala la xew bir ndar xex bobu ñuy wax
wourna khadimul mustafa mom mi yeguko yeguko parce que mu ngi ci bir auto bi ben yon la wacc parce que bopam da don metti mu dugg ci bir pharmacie bi gennal ben yon bobu la wacc bir dar kon buñuy wax ne gis nañu ben plainte legui bo xamne ñun ñep lañu ratalé bolé juut ñom wa pastef comme ay nitu fitna lañu comme ay nit lañu ño xamne fitna rek lañu xam ñu def ñu plainte bolé ñu ci ñun ñep né dañu don def violence à cause de blessures etc voie de fait etc mais dama bëgg ñu xamne ñun provocation bobu yeen wa sam sa kaddu Sénégal mo len yitel kon duñu ci dugg fi mu nek ni upp na 40 éléments de sécurité yo xamné japp nañu len ci sécurité Barthélémy Diaz ak man mi ci suma sécurité ta nak defuñu dara parce que biñu ñëwé ba japp len biñu défé guet-apens biñu def sank ma ngi wax né dama koy remercier xam nga lutax parce que man ak mom dañu xawa niro xam nga mom danan la non mom danan la mais comme man rakam la man der la mais biñu défé lolu biñu ñu défé guet-apens mom mi dafa and ak dalgu mat daldi organiser wat yenn auto yi organiser len ñu genn yalla defna ñom boy bokkar yele nga xamne ñu ngi fi tew ñom ñu ngi won demb ci auto campagne électorale la coalition Samu Sa Kaddu est victime de violence et d'attaques répétées de la part du parti au pouvoir pour rappel bien avant l'ouverture de la campagne le président Bougane Gueye Danny a été arrêté alors qu'il se rendait au chevet des sinistrés de Bakel. Il a été retenu pendant une semaine dans la prison de Tambacounda avant d'être jugé puis relaxé. Toujours à Tambacounda, notre coalition qui se trouvait au tribunal pour assister notre camarade Bougane Gueye Danny a encore été victime de provocations et d'attaques de la part des éléments du PASTEF alors qu'il n'avait rien à faire sur les lieux. Le jour de l'ouverture de la campagne électorale, alors que nous étions en meeting d'ouverture, les éléments du PASTEF sont venus à Baobab procéder à des actes de vandalisme qui ont été diffusés à travers les réseaux sociaux. Suite à cela, nous avons continué à subir des provocations émanant des membres du dit parti. Après les appels au meurtre de la tête de liste de la coalition PASTEF de Dakar, le sieur Abbas Fall, le siège de notre coalition a été saccagé et incendié. Tout ceci confirme que le parti PASTEF, pour cette campagne législative, a pris le parti de la violence et des attaques criminelles. Il est à préciser qu'un homme responsable, soucieux de la préservation de la paix sociale, nous avons décidé au sein de Samu Sa Kaddu de définir notre itinéraire de campagne en évitant au maximum tout télescopage avec les cortèges de PASTEF. Ce fut notamment le cas à Saint-Louis, où nous avons modifié, sine die, notre itinéraire afin de laisser au PASTEF le terrain. Ce mot d'ordre a été donné à tous nos candidats à l'intérieur du pays
pour éviter des dérives pouvant saper la paix et l'unité nationale. Malheureusement, force est de constater que cette volonté de préserver la paix et la cohésion sociale n'est pas partagée par les membres du parti au pouvoir. Nos adversaires sont toujours dans leur jeu favori, à savoir la menace, le dénigrement et la violence. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, de retour de Thiès, notre convoi a été stoppé par les forces de l'ordre qui ont opéré des fouilles vaines avant d'arrêter des éléments de notre sécurité. À ce jour, le commanditaire et les assaillants impliqués dans l'attaque criminelle de notre siège ne sont toujours pas inquiétés. Le Premier ministre Ousmane Sonko, fidèle à sa réputation d'homme violent et de manipulateur hors pair, a ouvertement traité le président de la République ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice de faiblards et appelé ses ouailles à renouer avec la violence. Face à toutes ces exactions, la coalition Samoussa Kadou interpelle encore une fois, ici et maintenant, le ministre de l'Intérieur ainsi que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et les invite à prendre leurs responsabilités devant les déclarations irresponsables et dangereuses du tristement célèbre Premier ministre.